sujet Loana pleuve à nouveau. Ce lundi 1er mars 2021, Eryl Preyer, une des proches de la jolie blonde de 43 ans, était de retour sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C, mandaté par Loana pour rétablir la vérité sur toute cette histoire qui mêle aussi Sylvie Ortega. Le chanteur n'a pas mâché ses mots. Pour commencer, Cyril Hanouna a diffusé un message enregistré par Loana, qui vient de sortir de l'hôpital psychiatrique. Coucou TPMP, si est Loana, je tenais à vous dire que les messages que vous avez vus ce week-end, par contre je tiens à dire, à l'attention de Sylvie, que ma valise était il manque mes bijoux, de ma rosace Edouard Naom à mes solipes. J'ai plus de culottes, plus de fer à friser, je n'ai plus rien dans ma valise est vide. Je vais porter plainte pour... a déclaré l'ancienne lofteuse. Loana a ensuite assuré qu'elle n'a pris aucune drogue et que si est bien Sylvie Ortega qui a tenté de la supprimer. Eryl Preyer insulte Sylvie Ortega en direct immédiatement. Eryl Preyer a réagi à ses propos, elle a compris que c'était pas une bonne perce quand je vois comment moi, la Sylvie Ortega elle m'a harcelé sur les réseaux sociaux, a essayé de m'atteindre en parlant de mon père qui est décédé en 2013. D'ailleurs Sylvie si tu me regardes j'ai un message pour toi, mon père est au paradis et il te pisse au cul. A-t-il lancé, si est-ce une folle, si est-ce une salope, si est-ce tout ce que j'ai à dire sur cette, tu as une gueule de sorcière, Loana elle ne veut plus voir ta gueule de sorcière a ajouté Eryl Preyer. Aliénor de la Fontaine à lire aussi Zapping, Cyril Hanouna vire Jean-Pascal du plateau après une blague sur l'affaire DSK Zapping, Cyril Hanouna recadre sèchement Benjamin Castaigne.